Salut tout le monde, c'est Superflo. Comment vous allez? Moi ça va super bien. Comme vous le savez tous, on est à 2000 abonnés, ça fait super plaisir. Donc la petite vidéo FAQ, bien sûr, pour les 2000 abonnés. Vous étiez nombreux à me poser des questions. Je pensais que j'allais avoir plus de questions que ça, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Donc il y a vos questions, il y a des questions des amis à moi. Donc voilà, vous inquiétez pas s'il y a des questions que vous avez pas vues sur YouTube ou les trucs comme ça. Donc il n'y a pas beaucoup de questions, il y a des questions, voilà, mais des fois c'est un peu les mêmes, on va dire. Donc on va commencer par la première question. Alors, t'as quel âge? T'as une copine? Ton PSN, c'est non super chaîne. Donc alors, j'ai quel âge? J'ai 20 ans. Donc oui, j'ai 20 ans. Il y a beaucoup de personnes qui me connaissent ou je parle un peu en global dans la vraie vie qui me connaissent, qui pensent pas que j'ai 20 ans parce qu'on me dit que je fais jeune. C'est pour ça, je me laisse pousser la barbe pour me faire un colis. Bref, c'est juste pour vous dire comme ça en fait. Vous allez me dire oh, mais il y a pas rapport. Donc en fait, j'ai 20 ans, c'est comme j'ai quand voilà, je me rase un truc comme ça, on me dit oui tu fais 16 ans et tout, donc maintenant j'ai décidé de me laisser pousser parce que sinon après on va me dire ouais t'as que 16 ans, t'as 15 ans et tout. Non, en fait j'ai 20 ans, je suis bien majeur, j'ai bien le permis et voilà, parce que après on va me dire oh t'es trop jeune, donc voilà, non en fait j'ai bien 20 ans, je préfère vous préciser bien sûr. Il y a des photos de moi sur Twitter et Instagram, il faut les voir, et j'ai pas voir regarder des photos de profil de Instagram et Twitter, c'est bien moi, et j'ai pas 15 ans, j'en ai 20. Je préfère préciser bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent que t'as 15 ans et que j'en ai 20. Je connais quand même ma date de naissance, merde. Non, je déconne, non, j'ai vraiment 15 ans, donc c'est pas des bêtises, j'ai vraiment 15 ans, je m'en vais sur 21 ans à la fin de l'année. À vous de. Tiens, on va faire un petit jeu, à vous de deviner quand ça sera mon anniversaire à la fin de l'année. Vous avez le choix. Vous avez, voilà, c'est à vous de me proposer, de me dire par exemple la date de mon anniversaire et on va dire l'année aussi. Donc voilà, c'est à vous de me dire oh petit bug, c'est à vous de me dire c'est quoi ma date de naissance et l'année. Donc voilà, bonne chance. As-tu une copine? Donc c'est la même question, c'est la première question, désolé j'ai oublié de vous dire. Donc j'ai pas mis les noms des personnes. Donc as-tu une copine? Oui. Elle s'appelle Miss Superflo. Non, je déconne. Bah oui, son nom c'est. On l'appelle Miss Superflo parce que voilà, j'ai déjà fait des vidéos avec elle. Une vidéo avec elle, deux vidéos avec elle, donc voilà. Du coup voilà. Oui, j'ai une copine. Je vais vous dire après l'année. Bah vous allez savoir bientôt l'année que je suis avec. C'est à vous de choisir et de chercher. Bref, vous allez vous verrez bien dans la prochaine question. Ton PSN. Mon PSN, je suis pas sur PS3, je suis plutôt sur Xbox One. Si vous voulez m'ajouter, il n'y a pas de souci, vous me le demandez, comme ça je vous le donne. J'évite de vous le donner comme ça en vidéo parce que sinon après j'aurai trop de demandes, donc essayez de me le demander discrètement sur YouTube. Vous faites est-ce que c'est quoi ton PSN pour t'ajouter sur Xbox One, et comme ça je vous fais bah viens en privé sur Skype ou sur Instagram ou sur Snap ou sur Twitter ou sur Facebook. Parce que j'évite de le donner comme ça pendant les vidéos parce que sinon j'ai trop de demandes. Je l'ai fait avant sur PS3. Et le souci c'est que sur le PS3, quand je l'ai fait une fois, j'ai donné mon PSN de PS3 en fait le lendemain ou 2-3 jours après, ou même 3 heures après, j'avais des demandes d'ajout et du coup bah je pouvais pas ajouter tout le monde. Donc c'est pour ça que j'évite de le donner maintenant sur Xbox One. Essayez de venir en privé pour que je vous le donne directement parce que sinon je vais pas. Je peux pas me rappeler qui m'a envoyé des demandes, et s'il y a trop de demandes, je pourrai pas m'en sortir. Donc c'est ça le souci. Voilà, bah, sinon super chaîne, donc merci. Ça fait super plaisir. Déjà c'est une personne qui reconnaît que c'est une super chaîne, donc merci, merci, merci. Deuxième question. Alors qui t'a donné envie de faire des vidéos? Qui m'a donné envie de faire des vidéos? Bah. Alors. C'est les. On va dire ça, oui, c'est des autres youtubeurs qui sont connus, bien sûr. Je vais vous citer un peu des noms de youtubeurs qui sont connus, donc Baisanka, Tevzaken, Monsieur Coty, Super Connard et Voka. C'est eux qui m'ont donné envie de faire des vidéos parce que, en fait, bah, avant de me lancer sur des vidéos comme ça sur GTA,
Je regardais un peu leurs vidéos, je connaissais pas du tout, j'allais pas. J'ai envie de vous dire, j'allais pas sur YouTube avant. Je connaissais un peu YouTube, j'écoutais la musique, mais sans plus, je connaissais pas, je regardais jamais les vidéos comme ça. Les vidéos sur les jeux vidéo, j'ai envie de vous dire, le logique. Et du coup, en fait, c'est en regardant sur des vidéos comme Monsieur Coty ou Maxence Cash, je suis tombé dessus. Et je me suis dit, ouais, c'est super cool et tout, j'aimerais trop avoir GTA. Pourquoi pas pour faire pareil et tout. Et du coup, donc voilà, c'est les personnes qui m'ont donné envie, c'est tous les youtubeurs qui sont sur YouTube, les grands youtubeurs bien sûr. Je peux pas dire que je suis un grand youtubeur, je suis à 2000 abonnés, donc comparé à eux qui sont un peu plus, mais voilà, ça m'a donné envie de faire des vidéos comme eux, parce que je vois que c'est cool. J'aime les jeux vidéo, donc je veux montrer un peu ce que je sais. Et c'est pour ça que voilà, c'est eux qui m'ont donné envie de faire des vidéos. Je trouve vraiment ça cool. C'est sûr, je suis un peu pas. Je peux pas dire que je suis à comment je peux dire? J'arrive pas à leurs pieds, voilà. Je suis pas au même niveau que les autres youtubeurs. Mais je trouve ça assez cool de faire des vidéos et voilà. Et je trouve même d'échanger avec vous, de parler, de jouer avec vous. Voilà, je découvre chaque jour, chaque mois des personnes qui sont super cool. On peut jouer ensemble, on en rigole des fois, voilà, j'apprends des techniques à des abonnés. Voilà, tout est bête en fait, c'est vraiment assez cool. On m'apprend des choses. Grâce à vous, on m'apprend à faire des wall brèches. On m'en propose à faire des wall brèches. Voilà, je rentre un peu dans le détail. Donc voilà, c'est grâce quand même à vous. Et c'est grâce aux autres youtubeurs. Donc voilà, je suis pas là pour faire leur pub. Ils m'ont pas demandé, oh, mais tu fais la pub. Non, c'est en fait. Ah, je vous dis juste vite fait, en fait, c'est eux qui m'ont donné envie de faire des vidéos sur GTA et d'autres jeux parce que je trouve ça vraiment assez fun et tout. Et pourquoi pas se lancer dedans? Voilà, vraiment pourquoi pas. Donc, du coup, voilà, c'était la deuxième question. Donc, troisième question, en même temps, je joue et je regarde, en fait, je préfère vous préciser la liste qui est à côté de moi. Donc, c'est pas assez facile de regarder et de se concentrer sur la route pour voir. Donc, t'as quel âge? J'ai déjà répondu. Donc, j'ai 20 ans. Pour les personnes qui ont peut-être pas compris, j'ai 20 ans, donc c'est la troisième question, celle-là, mais on me l'a posé en plusieurs fois, donc c'est pour ça. Est-ce que tu joues encore sur GTA, alors GTA 5, Xbox 360? Non, je joue plus sur 360 parce que ma Xbox elle est morte. Elle est plus les jeux, donc elle est morte et maintenant je suis sur One. Donc désolé pour les personnes qui sont sur PS3 et 360. Parce que ma Xbox ça marche plus, puis de toute façon j'ai plus les jeux sur Xbox 360, je les ai plus, c'est mon frère et mon oncle qui ont les jeux, je les ai passés à mon frère et à mon oncle parce que j'avais pas la console, j'avais pas les garder les jeux, donc du coup voilà, c'est eux qui ont les jeux et du coup moi je joue plus sur 360 parce que elle est morte tout simplement. Pareil, je préfère préciser sur PS3 parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent encore dans les commentaires est-ce que tu joues sur PS3? Le souci c'est que ma manette de PS3 en fait elle est morte. Il y a eu du. J'ai envie de vous dire vraiment la vérité, il y a eu du chocolat qui est tombé sur la manette. Même sur la manette de Xbox One. Donc la One c'est la deuxième manette que j'ai là. Parce que la première elle était morte. Elle a pris du chocolat aussi dedans. Et la PS3 en fait elle a eu du chocolat dedans collé. What? Ouais, il y a eu du chocolat aussi qui est tombé du. Voilà, pas du chocolat en morceaux, mais du chocolat au lait qui est tombé dans. Je cite pas le nom, bien sûr. Du chocolat qui est tombé. Ah, j'ai entendu un bruit, désolé. Qui est tombé en fait sur les manettes, et du coup, les manettes étaient mortes. Donc, j'ai racheté la manette de la Xbox One parce que voilà, c'était plus important de racheter la manette de la Xbox One. La PS3, j'ai pas racheté. Parce que j'ai du mal à en trouver et là j'en ai trouvé une mais un peu chère encore donc je vais attendre un peu mais je vous promets jouer avec vous sur 36, PS3 plutôt parce qu'il y a des personnes qui jouent encore sur PS3 qui n'ont pas les moyens bien sûr de aller sur les autres consoles je comprends ça c'est voilà on a pas tous les moyens tout simplement donc du coup oui je vais voir pour acheter une nouvelle manette. Même si c'est une manette qui c'est pas vraiment une manette PS3 parce qu'il y a des manettes PS3 ou pas. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, et je vais voir pour en acheter une pour jouer avec vous. Je vous promets que. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent de jouer avec vous, faire des vidéos avec vous sur PS3. C'est sûr, la qualité ça va pas pareil, mais voilà, je peux pas vous dire non parce que ça se fait pas.
Donc je vais revenir sur PS3. Je vais vraiment pour racheter une manette. Et en fait, cette question elle n'est pas finie. Est-ce que tu m'aimes? Il a marqué lol à la fin. Donc je t'aime, bah est-ce que tu m'aimes? Bah petit souci, en fait je te connais pas, donc mais en fait je vous aime tous parce que vous êtes tous cool avec moi et voilà, j'ai pas comment je peux vous dire en fait. Vous êtes des abonnés, donc oui je vous aime tous, de toute façon bon, je peux pas. Voilà, je vous connais pas, puis je peux pas dire non, toi je t'aime pas parce que t'es moche ou toi t'as un nom pourri. Non, je vois. Voilà, je vous aime tous, de toute façon vous êtes tous des abonnés, donc c'est normal. Genre, je recevais beaucoup de commentaires, ouais, on t'aime bien, tu fais des belles vidéos, je t'aime et tout. Moi aussi, je vous aime tous, les abonnés. Donc oui, je vous aime. Donc même toi qui m'as envoyé ce petit message, est-ce que tu m'aimes? Oui, je vous aime tous. Donc voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Donc tout simplement. Donc on passe à la 1, 2. Quatrième question, désolé, je compte en même temps pour éviter de me tromper. Vas-tu faire une facecam? Donc, une facecam, oui, pourquoi pas, pour l'instant, je pense pas. Mais est-ce que je vais faire une facecam? Oui. Donc, pour les personnes qui connaissent pas, c'est quoi une facecam? En fait, c'est où on intègre notre visage pendant la vidéo, quand on joue et tout, qu'on voit notre visage. En fait, je veux vous dire vraiment le pourquoi. Une fois, je l'ai fait sur une vidéo, je sais pas si vous vous rappelez. Et tout, et en fait le souci c'est que moi je veux vous dire vraiment, voilà, je me cache pas, je m'en fous, c'est j'ai pas la honte. Le souci c'est que je me couche jamais de bonne heure, et oui je le reconnais, c'est des heures, vous allez me dire c'est pas bien, tu te couches pas de bonne heure, oui je sais. Là en plus ça fait 6 mois j'ai arrêté l'école, donc voilà je fais plus rien, bref. Et le souci c'est que je me couche pas de bonne heure, je joue à la console ou je regarde des films à la télé ou je suis sur PC, voilà je me couche pas avant des 1h ou 2h du matin. Voir si c'est pas plus, et du coup, le matin je me lève à 9h. Et du coup, pour les personnes qui connaissent, c'est j'ai des cernes en dessous les yeux, donc on appelle ça des poches, ça s'appelle des cernes. Et du souci, le souci c'est qu'une fois en fait j'ai fait une facecam, j'avais des cernes, on m'a dit ouais, t'as des cernes, va te coucher au lieu de faire des vidéos. Donc voilà, donc ça fait pas plaisir en fait. Je sais, j'ai des cernes, je sais, ça se fait pas, ça se fait pas faire des vidéos avec des cernes en dessous les yeux. Mais je sais pas, j'ai toujours l'habitude de me coucher tard, et là pour me recoucher de bonne heure, en fait c'est dur. Je le reconnais, c'est pas bien. Faites pas comme moi. J'ai envie de vous dire, couchez-vous tous bonne heure, faites pas comme moi. Mais voilà, c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien, j'ai envie de vous dire. Et voilà, je le reconnais. Désolé, j'ai reçu un petit message, bref. Donc voilà, c'est sûr, je le reconnais, c'est pas bien de se coucher tard. Donc voilà, j'ai des cernes en dessous les yeux. Je reconnais des poches, et bah, après je peux faire des facecam si vous voulez, mais moi ça me dérange pas. Mais après à vous de me dire est-ce que vous voulez que j'en fasse, est-ce que vous me dites non, on fait pas de facecam parce que t'as des cernes et tout. Voilà, c'est à vous de me dire, bien sûr, c'est à vous de me dire oui, en faisant une ou pas, fais pas de facecam. Voilà, c'est à vous de me dire, arrêtez de m'envoyer des invitations. Donc voilà, c'est à vous de me dire. Donc c'est pour ça, pour l'instant, je fais plus de. J'en ai fait une fois, mais j'ai arrêté parce qu'on m'a critiqué, on m'a dit ouais. Tu fais une facecam et t'es moche avec tes cernes, voilà. Bref, après, comme on dit d'habitude, les avis, tu t'en fous. Donc voilà, c'est pour ça, pour l'instant, je ne fais pas de facecam. Donc on se retrouve pour la cinquième question. Désolé, j'ai pas noté, donc du coup, je compte. Ah, la cinquième question, c'est toujours pareil. Vas-tu faire une facecam? Non. Oui, c'est ça. Fais-tu une facecam, s'il te plaît? Si tu peux. Donc voilà, si je peux. Et gros GG à toi. Donc désolé, je regarde en même temps. Alors, est-ce que je veux faire une facecam? Je viens de répondre, donc je ne vais pas répéter, bien sûr. Gros, merci. Merci pour aussi gros. GG à moi, bah, merci pour les. Bah, ça fait super plaisir de faire des vidéos pour vous. Et merci pour les 2000 abonnés, bien sûr. Oui, ça fait mal. Donc, c'est pour ça qu'il me dit GG à toi pour les 2000 abonnés. Mais la facecam, j'ai pas. Répéter 2 fois parce que je l'ai déjà dit le pourquoi, et voilà, il y a beaucoup de personnes qui me demandent de faire une facecam, mais maintenant vous le savez, c'est à vous de me dire est-ce que ça vous le coûte ou pas. Bref, on passe à la 6e question. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Bah oui, j'ai envie de vous dire oui, j'aime ce que je fais. Oh putain, la moto a fini. Oui, j'aime ce que je fais, donc le travail que je fais pour vous. Alors j'appelle ça un travail, c'est parce que voilà, c'est comme une activité, par exemple, vous adorez le foot, ou vous adorez, je sais pas, aller vous balader. Moi, j'adore faire des vidéos, j'adore les jeux de console. Voilà, c'est mon monde, mon monde à moi. On va dire, entre guillemets, j'en mets de personne. Et voilà, on me reproche beaucoup de choses.
C'est-à-dire en fait, parce que avant quand je faisais des vidéos, ouais, tu fais des vidéos, t'es accro à tes vidéos, ouais, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, une personne qui joue à la console, faut mieux jouer à la console. J'ai rien contre les personnes qui font rien, voilà, qui font rien de leur petit doigt, mais j'ai envie de vous dire, je préfère jouer à la console que être dans la rue, brûler des voitures, voler. Après, vous allez me dire, c'est pas pareil, mais je préfère jouer à la console que faire les idiots dans la rue. Donc oui, j'aime ce que je fais, c'est du travail, c'est un loisir, et donc oui, j'aime ce que je fais, donc voilà, il n'y a pas de souci, ça j'aime, parce que ça me fait plaisir de faire ça avec vous, et je trouve ça vraiment assez cool de faire des vidéos. Donc désolé les amis, s'il y avait un gros blanc, j'avais un souci avec l'ordinateur, le son s'est coupé tout seul, donc vraiment désolé, c'est des choses qui arrivent, voilà, je me cache pas. Oui, j'aime ce que je fais parce que ça fait super plaisir, et bah, en même temps, ça, j'aime faire les vidéos, j'aime voir que les personnes ça leur plaît, je fais découvrir des choses, on fait découvrir des choses, donc oui, ça me plaît faire des vidéos avec vous, et du coup, voilà, tout ce que je fais, ça me fait super plaisir. Donc c'était la sixième question. Septième question. Ah mais oui, mais tu m'invites. Attends. Alors, ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube, c'est un peu comme tout à l'heure, la première question. Donc je vais redire encore une petite vite fait une fois. Et pourquoi ta chaîne est-elle spéciale dans GTA 5? Bye. Donc je précise, désolé en fait, parce que quand je parle en fait, je regarde en mettant l'ordinateur et je me cache pas, l'ordinateur qui est sur le côté et la console, et le souci c'est que je vois pas en fait ce que je dis et je vois pas la route, donc en fait j'ai peur de me planter. Ah, de m'inviter, une spam de commentaires de trucs. Arrête, j'ai compris, je ne peux pas, je fais une vidéo. Alors j'ai perdu un peu ce que je devais dire. Est-ce que non, qu'est-ce que t'as donné envie, donc qu'est-ce que m'a donné envie de faire des vidéos sur non, te lancer sur YouTube déjà, donc bah comme je disais, ça m'a donné envie de me lancer sur YouTube. Je me mélange un peu les pinceaux, c'est tout simplement bah c'est les youtubeurs que je regardais leurs vidéos avant, donc ça m'a donné envie faire des vidéos comme sur GTA, bien sûr j'ai pas le même niveau, on va dire, voilà. Et pourquoi ta chaîne est spéciale, donc elle est spéciale, le bug spécial sur GTA. Bon, en fait j'aime GTA et c'est pour ça que j'ai envie de changer en fait de vidéo que du GTA. C'est pour ça que je me lance un peu sur du gaming, comme vous avez vu des nouveaux jeux, il y avait du Assassin's Creed, il y a eu du Black Ops, il y a le nouveau jeu qui ça fait deux, une fois je fais une vidéo dessus que je connais pas trop le titre, je suis pas très fort en anglais, désolé, qui fait un peu peur, voilà, je me lance en GTA, c'était bien, hein. On va dire un moment, c'était vraiment assez cool, je faisais des vidéos dessus, mais à la fin ça commence à être embêtant GTA, parce que c'est toujours, on va pas dire toujours pareil, mais voilà, à la fin GTA c'est GTA tout simplement, et j'ai envie de changer, j'ai envie je peux pas vous dire pourquoi une chaîne spéciale GTA. Oui, au début c'est vrai, il y a beaucoup, c'est vrai, j'ai envie de vous dire, c'est vrai, il y a beaucoup de GTA, de vidéos sur GTA. Et je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai pas beaucoup de vues, ni de beaucoup de j'aime et de commentaires, parce que en fait ça doit être vous embêter, voilà, de vous saouler un peu de voir que des vidéos sur GTA. Je ne comprends, c'est pour ça maintenant je essaie de faire des vidéos un peu sur Assassin's Creed, sur du Black Ops, sur du le jeu, il y a beaucoup, voilà, j'essaie de faire des vidéos là-dessus. Pour en fait pour en faire un plaisir pour tout le monde, il y a des personnes qui n'aiment pas ce jeu, il y a des personnes qui aiment, voilà, j'en fais un peu pour tout le monde, donc voilà, je peux pas vous il y a du watchdog, voilà, je peux pas trop vous dire pourquoi avant il y avait que des vidéos sur GTA, parce que c'était le souci, je faisais que des vidéos sur GTA, et je sais que ça peut être embêtant, ça peut être saoulant, ça peut être ça peut être chiant, je comprends un peu. D'accord, j'attendais ma moto en fait, mais non, ça. J'ai juste appelé la Mitch. Là, je ne comprenais pas pourquoi elle n'arrivait pas, ma moto. Je pensais qu'elle devait arriver. Là, je regarde, excusez-moi. Ah, il est bon, bah, il est d'accord, c'est l'abonné qui arrive. Bon, viens. Mais tant qu'il arrive, j'ai le temps de partir. Allez, la moto, c'est pas grave, il arrive.
Donc voilà pourquoi une vidéo, c'était une chaîne spéciale sur du GTA, parce que en fait bah j'adorais vraiment GTA, je trouvais ça cool, mais c'est vrai à la fin ça vient embêtant du GTA. Je peux comprendre, ça peut vous embêter un peu, ça peut voilà vous saouler, mais ça vous de me dire en commentaire, bien sûr, moi je suis tout preneur, je peux vous écouter. Si vous me dites ouais, on aime beaucoup plus du GTA, on aime moins GTA, mais est-ce que tu peux faire d'autres vidéos sur du Black Ops, du Assassin's Creed, du Watch Dogs? Watch Dogs, j'aime vraiment ce jeu, donc là je vais continuer des vidéos dessus. J'ai beaucoup de vidéos sur le PC à mettre aussi en ligne, mais le souci c'est que bah j'ai pas, c'est le souci c'est long à faire les montages et tout, donc là faut que je le fasse. Mais voilà, j'ai des vidéos à vous faire encore, donc voilà, mais je veux pas, je vous promets, je veux pas rester que sur du GTA. Donc voilà, à la base c'était pas une chaîne spéciale GTA. Je préfère préciser pour les personnes qui pensent que c'est une chaîne vraiment spéciale GTA, et non, c'est pas une chaîne vraiment spéciale GTA. Je vais tout changer, c'est décidé, je vais changer un peu, je vais passer sur d'autres jeux, d'autres endroits aussi. Donc du coup voilà, on va passer à la 1, 2, 8e question. Ah, j'ai cru que ça avait bugué, désolé. Fais des vidéos avec d'autres youtubeurs. Oui, je veux bien faire des vidéos avec d'autres youtubeurs qui jouent sur Xbox One. Donc j'en connais un peu comme ça, des vidéos qui jouent, des youtubeurs qui jouent sur Xbox One. Mais voilà, c'est jamais venu à l'idée, et pourquoi pas, oui, vraiment pourquoi pas, de faire des vidéos avec d'autres youtubeurs connus, ou même pas connus, des personnes qui commencent à aller sur YouTube, qui commencent à être youtubeurs, même s'ils sont à 100 abonnés ou 200 abonnés, mais ou même 1000 abonnés ou 2000 abonnés, mais pourquoi pas faire des vidéos avec des youtubeurs, oui, pourquoi pas. Ça vous me donnez votre avis, si vous pensez que c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup, si vous en. Ce que vous en pensez, si vous en pensez que c'est bien ou pas. Donc voilà. Pourquoi pas faire des vidéos avec d'autres youtubeurs. Ça peut être une bonne idée. Ou pas. On sait jamais. Mais voilà, faire des vidéos avec d'autres youtubeurs, ça peut être possible et avoir. Comment je peux vous dire? Ça peut peut-être marcher. Et puis pourquoi pas. Ça peut changer d'être tout seul. Et voilà, ça peut bien marcher. Donc pourquoi pas faire des vidéos avec d'autres youtubeurs, ça peut vraiment être. Donc voilà, on va passer à la 9e question. Désolé, je compte vraiment parce que je sais plus à combien je suis, donc attendez, je vais faire vite fait, je vais mettre quand même mes questions, pas les questions mais les chiffres. Parce que là, je suis en train d'être perdu. Donc voilà, on arrive à la 10e question. Donc oui, c'est bien ça. Vas-tu faire des vidéos avec Miss Superflow ou pas? Sinon, GG. Donc c'est la 10e question. Ah, donc est-ce que je vais faire des vidéos avec Miss Superflow? Vous l'avez vu une fois en vidéo, on vous a souhaité tous une bonne année. Et on a fait une vidéo où c'est qui conduisait la moto. Donc est-ce que je vais faire des vidéos avec moi? Pourquoi pas? Ça peut être une bonne idée. Voilà, c'est à vous de me dire aussi si vous voulez faire des vidéos avec Miss Superflow. Proposez aussi des vidéos, ce que je peux faire avec elle. Mais voilà, il faut pas faire des vidéos trop dures parce que voilà, elle connaît pas trop. Elle connaît GTA, elle aime bien GTA. Mais pourquoi pas faire des vidéos avec Miss Superflow? Ça peut être, je sais pas, des défis, des trucs un peu faciles en fait. Voilà. Donc pourquoi pas faire des vidéos avec Miss Superflow? Ça peut être une bonne idée. J'avais pas pensé, j'avais pensé mais sans plus. Mais si vous me demandez de faire des vidéos avec Miss Superflow, il n'y a pas de souci. Voilà, ça vous de me proposer un peu de tout et des vidéos. C'était la 10e question. Donc 11e question. Non, j'ai pas dit lever les fesses. Il est sale mon personnage un peu. 11e question. Vas-tu faire des rencontres avec des abonnés dans ta ville? Et lui. De la chance. Donc, 11e question, vas-tu faire des rencontres avec des abonnés dans ta ville? Oui, pourquoi pas, s'il y a des abonnés qui habitent, voilà, vous avez vu un petit raton laveur, donc GG à toi. Je vais dire quand même GG, et je lui fais une petite dédicace. Donc, je lui dis GG parce que c'est GG quand même à vous tous, parce qu'on est quand même 2000 abonnés, c'est grâce à vous tous.
Du coup là, je reviens sur la question, est-ce que vas-tu faire des vidéos rencontres avec des omelettes dans ta ville? Oui, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Si des personnes qui viennent de Rouen ou alentour de Rouen, bah dites-moi-le dans les commentaires de la vidéo. Comme ça, si vous voulez faire une petite rencontre d'abonnés, même si vous êtes 5 à vivre dans le coin, dans le 7-6 Rouen, Haute-Normandie, bien sûr, pour les personnes qui ne connaissent pas, au cas où. Pourquoi pas faire des vidéos avec vous, rencontres avec les abonnés? Oui, pourquoi pas dans ma ville? Oui. Oui, je dis oui. Ça peut être vraiment pas mal faire une rencontre d'abonnés. Pourquoi pas. On va passer à la 12e question. Donc, c'est une question que j'ai mis en 12e parce que j'ai vraiment bien aimé. Et voilà, c'est vraiment assez drôle. Donc, voilà, c'est une question qu'on m'a posée et je trouve ça vraiment cool. Donc, voilà, il y en a. Il y en a, voilà, on va dire, c'est une vidéo, une question hein, drôle. Il y a des personnes qui peuvent pas, qui vont peut-être pas aimer. Voilà, c'est une petite question très simple, ouais, très simple, qui m'a fait bien rire. Donc voilà. Alors, vas-tu aller sur Minecraft, désolé, PC, et où t'habites? Donc déjà, je vais répondre à ça. Déjà. Donc, est-ce que je vais aller sur Minecraft PC? Donc non, j'aime pas trop le jeu. J'ai jamais joué. Mais j'aime pas, après pourquoi pas pour tester sur One, je sais pas si il est sur One, mais je suis pas très fan de ce jeu, voilà, je suis pas très fan de Minecraft. Sur PC déjà, j'ai pas des PC qui tournent bien, mais je vois Minecraft, non ça me tente pas, je suis pas vraiment fan, et peut-être essayer sur Xbox One, pourquoi pas, ou essayer une petite, je vais me l'acheter ou me le prêter s'il y a je sais pas s'il y a des amis que je connais qui ont eu le bon sur Xbox One, ça m'étonne. Mais je vois Minecraft, je sais pas, j'aime pas, je comprends pas en fait trop le but du jeu. Je suis pas vraiment fan de ce jeu et voilà, c'est pas vraiment mon but. Donc, comme je vous disais, je vois Minecraft, je trouve pas, voilà, je comprends pas trop le but de ce jeu, voilà. Peut-être en essayant peut-être une fois, pourquoi pas, mais je comprends pas trop le but du jeu, donc voilà, c'est pour ça que je ne joue pas à Minecraft. C'est pour ça que vous n'avez pas de vidéo dessus, parce que je comprends pas trop le but du jeu et c'est pas. Voilà, c'est pas voilà, mon kiff, on va dire. Donc voilà. Donc la question elle n'est pas finie. Donc où t'habites? Donc j'habite à Rouen. À Rouen, donc dans le 7-6-76, si vous préférez. En Haute-Normandie, donc voilà, dans la ville de Rouen, donc voilà où j'habite, c'est très simple, j'habite dans Rouen, à Rouen, voilà, il y a plusieurs communes à côté de Rouen, mais j'habite voilà vraiment une commune à 5 minutes de Rouen, je vous dis pas plus, mais j'habite voilà à 5 minutes de Rouen, et j'habite, bah voilà, c'est une commune de Rouen de toute façon, donc c'est pas très compliqué, donc voilà, c'est dans le 6-76, donc Haute-Normandie, tout simplement, je vous dis pas plus. Pour rigoler, attendez, j'ai perdu ma phrase. Et allez, pour rigoler, la taille de ton pénis, un pote veut savoir. Donc la taille de mon pénis. Donc voilà, c'est juste pour rigoler. Voilà, c'est des questions que j'aime vraiment parce que c'est des personnes qui me posent des questions qui sont vraiment assez cool. Donc la taille de mon pénis, c'est la taille des 2000 abonnés. Non, je déconne, bien sûr, c'est bah, voilà. C'est la taille d'un pénis, je peux pas vous dire, je vais pas m'amuser. J'ai pas m'amuser à le mesurer. Non, sérieusement. Sérieusement, j'ai envie de vous dire, j'ai pas mesuré la taille de mon pénis. Et voilà, c'est la taille des 2000 abonnés. Ça fait beaucoup quand même, la taille des 2000 abonnés. Voilà, il fait 2000 abonnés. Il fait de la taille 2000. Non, mais je déconne, je pars en couille. Non, sérieusement, je sais pas la taille de mon pénis. Et ton pote, je sais pas pourquoi il veut savoir. Parce que s'il est un peu. Voilà, j'ai rien contre les gens qui aiment les gens. Donc, s'il est gay, ça s'appelle comme ça. De toute façon, je peux pas détourner la phrase. Je vais pas dire le mot. Voilà. En gros mot, donc s'il est gay, non, pas moi. Mais. Non, je déconne. Non, tu peux dire à ton pote que la taille de mon pénis, je sais pas c'est quoi. Et pourquoi cette question? Pourquoi il veut savoir la taille de mon pénis? Parce qu'il doit être vraiment bizarre. Il m'a dit, je sais pas, t'as une voix sexy ou je ne sais pas. Il a me demandé ma taille de mon pénis. Ah oui, ça non. J'allais dire, il y a vraiment un souci parce que la taille de mon pénis, je ne sais pas du tout. Et je le mesure pas, j'ai envie de vous dire. Tout simplement, c'est comme si moi je voulais dire, c'est quoi votre taille de votre pénis? Non, sérieusement, je ne sais pas.
Mais c'est une question vraiment qui change et voilà, c'est sûr, c'est drôle. C'est assez drôle. Donc, du coup, voilà la question d'un abonné. Alors, du coup, c'était la 12e question. Donc, la taille de mon pénis, je vous disais, je ne la connais pas. J'ai tué juste pour rigoler de l'abonné. C'était juste pour déconner. Quand il va voir cette vidéo-là, il va gueuler. Il sait pas que je fais une vidéo en fait. Donc, il sait pas du tout pourquoi je l'ai tué. Mais c'est pour rigoler, voilà. J'avais loupé. C'était fait exprès en fait. C'était pour éviter qu'il me. Non, je déconne. Et la dernière question, donc la 13e question, donc ouais, il n'y a pas eu beaucoup de questions, la vidéo elle va être longue, mais c'est pas grave. Combien de temps t'es avec Miss Superflo? Ah, c'est une bonne question, moi non plus, je ne sais pas. Putain, mon véhicule était détruit. C'est pas grave, de toute façon, on va finir en voiture. Alors, combien de temps je suis avec Miss Superflo? Je ne sais pas, ça fait longtemps. Non, je vais pas vous dire l'année. J'ai envie de vous dire quelque chose. Je vous dis pas l'année. Et c'est à vous de me dire. Proposer des mois, des années pour me dire combien de temps je suis avec Miss Superflo. Donc, voilà, c'est très compliqué, c'est à vous de choisir. Vous avez toute l'année à faire, vous avez jusqu'à, je sais pas, la fin de votre vie. Non, je déconne, c'est à vous, voilà, de me dire combien de temps t'es avec Miss Superflo, si ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans, non, je sais pas, c'est à vous de me proposer en fait. C'est à vous de me demander de me dire combien de temps je suis avec Miss Superflo, vous proposer l'année ou le mois. Donc, voilà, c'est à vous de me dire combien de temps je suis avec Miss Superflo pour me dire bah, le mois ou l'année. Donc, voilà, c'est le but de la vidéo. Donc, n'oubliez pas, vous devez me dire combien de temps je suis avec Miss Superflo. Et j'avais une autre question. Ah oui. Vous devez me dire. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Me dire quelle année je suis né et quel mois aussi. Donc vous avez deux choses à me poser en question. Quel mois je suis né, quelle année et aussi combien de temps je suis un mec Miss Superflo. Si ça fait des mois ou des années. Donc voilà, ça vous de proposer en vidéo, en commentaire plutôt. Et je pourrai avoir vos réponses sur YouTube bien sûr. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'elle était vraiment courte. N'oubliez pas de vous abonner, mes petites kékettes. Voilà, non, je déconne. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère que cette vidéo va vraiment vous plaire. N'oubliez pas de laisser des petits commentaires, de partager la vidéo, de poser si vous voulez que je fasse une autre FAQ. Si vous voulez que, voilà, c'est à vous de proposer. Aïe. Et, ouais, de me dire ce que vous voulez voir comme vidéo. Vous êtes le bienvenu sur ma chaîne. Ça me fait super plaisir qu'on soit 12 000. Wow, allez, je pars trop loin, on a déjà 2 000 abonnés. Ça me fait super plaisir parce que c'est grâce à vous. Ça fait déjà pratiquement 3 ans. Oui, ça va sur 3 ans si je dis pas de bêtises. J'ai un trou de mémoire dans ce coup. Donc, voilà, c'est à vous de comment ça s'appelle? De continuer à vous abonner, de aimer les vidéos, comme ça je partage des choses avec vous, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo va vraiment vous plaire. J'espère que vous avez appris plein de choses sur moi. J'espère que j'ai réussi à répondre à votre question. Donc, si vous voulez que je fasse d'autres FAQ, bah, dites-moi-le en commentaire, comme ça vous pourrez me dire d'autres choses sur moi, poser d'autres questions sur moi. Et moi, très simplement, j'ai une petite question à vous poser. C'est très balou. C'est à moi de vous poser des questions. Et oui, très simplement, la question c'est je voulais savoir quand on fait des vidéos sur GTA avec l'enregistrement qui est juste en dessous là, avec je sais pas comment ça s'appelle là. Bon, on peut faire croix pour commencer et après on peut annuler. Je voulais juste savoir, juste avant de finir la vidéo, comment on fait pour. Voir les vidéos qui sont enregistrées parce que j'ai enregistré des vidéos qui sont vraiment assez what the fuck que j'ai filmé sur GTA et je voudrais savoir comment on fait pour les récupérer, pour vous les partager et tout. Je sais pas comment on fait du tout, j'aimerais bien savoir comment on fait, donc si vous pouvez me le dire en commentaire pour m'aider, je ne connais pas tout bien sûr, et si vous pouvez me dire bah, comment on fait pour tout simplement comment ça s'appelle récupérer les vidéos. Qui sont comment on fait pour enregistrer là, le gameplay et je voulais savoir comment on fait pour les lire et les partager pour les voilà pour les montrer tout simplement.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vraiment vous plaire. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime, de vous abonner, de me rejoindre sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et sur Skype. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous voulez faire des vidéos avec moi, il n'y a pas de souci, dites-moi en commentaire. Et du coup, voilà, moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et peace tout le monde, salut!